un duo pour un 5 à la suite. Kevin Harley et J.R. Reynolds sont les grands artisans du 5e succès consécutif du Poitiers Basket 86. Face à Caen, l'arrière et le meneur prennent le match à leur compte. 26 points et 27 d'évaluation pour le français. 21 unités au compteur de l'américain, plus de 80% de réussite pour les deux scoreurs. Sous leur impulsion, le PB 86 s'impose 92 à 80. On avait l'envie, on était à la maison. Il fallait qu'on ait ces victoires pour regarder vers le haut. Là, voilà, c'est fait. Pour enchaîner à Paris. Mais c'est vraiment bien ce qu'on a fait ce soir. Les Poitevins ont su répondre aux défis imposés par les Canets. Plus entreprenants, dominateurs au rebond, les Normands font la course en tête. Ils comptent un maximum de 7 points d'avance. Mais depuis quelques matchs, le PB86 fait preuve de plus de maîtrise et de solidité. Les joueurs de Rudy Nellum parviennent à rester au contact avant de faire la différence en fin de rencontre. On a été solidaires sur tout le match. En deuxième mi-temps, on s'est rattrapé. On a eu un peu plus d'adresse et on a pu aller chercher cette victoire. On est plus content de faire des soirées comme ça, de gagner, de faire plaisir aux partenaires, au public. Donc c'est très bien. Maintenant, il faut qu'on continue et surtout pas se relâcher parce qu'on sait que c'est compliqué partout. Quoi. Le PB86 tentera de préserver son invincibilité vendredi à Paris. En attendant, grâce à ce 5e succès consécutif, Poitiers remonte à la 9e place de Pro B.